Après la casse de mon moteur sur le Daytona, au sommet du Stelvio durant mon road trip en Autriche, Italie et Slovénie, il était temps de remettre la moto en route. Une grosse vidange et un peu de démontage plus tard, et je m'aperçois que le vilebrequin a été touché, en plus du balancier d'équilibrage et de la cloche d'embrayage. Les coûts de réparation étant trop élevés, je décide de changer le bloc complet. 2-3 coups de fil plus tard et une bonne journée de boulot, et le Daytona est de nouveau prêt à reprendre la route. Bon, la moto est réparée et les premiers tests sont concluants. Et si on repartait en road trip maintenant? Petit coup de fil à mon gars Nico du Café Incrou, ainsi qu'à Clément aka Balou Insta, et nous voilà sur la route en direction des Pyrénées françaises et espagnoles. Au programme, c'est environ 1200 km de route toutes différentes les unes des autres qui nous attend. En cette période automnale, nous aurons l'occasion de faire face aux caprices météorologiques de la montagne, contempler des paysages absolument magnifiques, mais aussi de traverser une partie du désert d'Aragon. On respirera l'air marin et on admirera la verdure omniprésente sur la côte espagnole, sans oublier de rouler toutes ces routes exceptionnelles que nous offre cette zone géographique. Du gros gaz, des fous rires, un peu mécanique, quelques galères et des chutes, vous commencez à connaître la recette de nos road trips. Bon allez, suivez-nous, c'est parti. Un nouveau sac. Tu l'encules.
Eh gros, à part ça, je repars pas sans avoir retrouvé ma GoPro, il y a trop de prises de vue d'art. Eh Nico, on a un autre problème. On a perdu. Il n'y a plus la carte SD, gros. Oh non. Je te jure. Elle est là, la carte SD, putain. Sérieux? Ouais, elle est là. Putain, mec, ça, c'est une Hero 2, ça. Ça, c'est comme le 3310. Il faut faire tourner la roue. Oh, fais tourner mon frère. Fais pivoter la roue là. Oh, les garages, ils sont pas montés un garage. Le mec il a la caisse, il y a 15 clients. Attends, ça prend de la vitesse. Et pourquoi tu graisses plus? Bah c'est assez graissé non? Bah pourquoi je tourne là? Le mec il a les mains. On continue. Ah ouais! Tu parles chèvre là? Reculer, ouais. Et il y a eu un vieux temps de latence et bam. N'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Passe faire un tour sur mon site internet si tu veux avoir accès à des photos exclusives et des articles complets sur chacun de nos voyages. Tu peux également me suivre sur Facebook et sur Instagram pour ne rien louper concernant l'actualité Black Market. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là porte-toi bien et fais attention sur la route. Au fait, si t'as pas encore eu l'occasion de regarder notre vidéo sur le road trip en Autriche, Italie et Slovénie, clique ici, c'est par ici que ça se passe.